d'ores et déjà, il a passé la vitesse maximale sur ce tournoi au service. C'est 191 jusqu'ici. Pourtant, c'était bien attaqué hein, de la part de Nishikori sur son coup droit. La balle était partie très vite, mais encore tout de suite, on a vu une belle défense. Là, il est un petit peu loin, donc il adresse ce petit slice judicieux dans les pieds. C'est Mike hein, qui nous dit pas de tour de chauffe, c'est parti fort directement. On sent que l'intensité est présente hein, des deux côtés sur les premières frappes. Non, mais encore vous parlez un point de... fabuleux de Rafael Nadal. Il ne peut pas mieux faire dans son attaque. Nishikori, cette attaque, elle est gagnante contre 95% des joueurs sur le top 100. Oh là ah, là, super. Est-ce que c'est bien fait? Presque digne d'un Nadal. Oui. Si on part comme ça sur la durée de ce match. Balle de break pour Kei Nishikori. Montréal indique au ramasseur de balles comment distribuer les serviettes. Ou c'est bien fait. Voilà. Ouais, en trois coups de raquette, il explose. Balle de break sur deuxième balle. La balle des yeux. Alors, c'est vrai que son idée c'était de préparer très tôt, faire comme s'il avait frappé, puis amortir ce coup droit, plus difficile à faire hein, quand c'est regardez, pratiquement au niveau de l'épaule. Il va falloir qu'il se règle pour le début de l'entame du deuxième set, qui sera très important pour lui. Et il est poussé hein, par le public du central qui a envie de voir un niveau différent chez l'ancien numéro 1 mondial. Et comme c'est simple. Voilà. Pour avoir une bonne distance de frappe. Oh là, c'est impressionnant. Magistral. Mais il va falloir qu'il trouve une solution et vite. Mais laquelle, franchement, même son entraîneur Francisco Roche, là, s'il doit lui donner un conseil, c'est pas simple. Hein. C'est une attaque. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. J'ai bien aimé cette variation en cours d'échange de Nadal sur ce slice très bas, très court, qui empêche Nishikori de développer sa frappe. Donc du coup, il joue plus en remise. Et puis derrière, deux coups droits. Une balle qui tourne beaucoup, 140 km/h, de la longueur. Un peu court. Et puis il vient de très loin. Il était allé se mettre quasiment contre la bâche au fond. Et il s'attend à une attaque hein, de Nishikori qui lui, très justement, vient juste amortir en avançant. C'est un véritable coup d'attaque. Nadal à 50% de première balle pour l'instant. Nishikori à 70%.
Encore une fois, belle défense Nadal. Hein. Il s'est peut-être un peu trompé sur son revers sauté. Nishikori, il n'a pas, pas frappé très fort. Derrière, un bon passing. Et puis le deuxième, on voit ce petit coup de poignet de Nadal. Il fixe un peu, il attend le dernier moment. Ce tournoi d'Hambourg remporté qui arrivait sans doute ici avec beaucoup d'espoir et qui dans son test passe un top 10 là, est en train de mordre la poussière complètement. Deux breaks d'avance de Kei Nishikori avec trois possibilités sur ce jeu de service du Nippon. Il va la chercher derrière lui, hein. Il a presque failli se faire surprendre par cette bonne défense de Nishikori. Gervasco qui est venu encourager son copain parce que derrière ils ont un double à jouer encore. Hein. Non, Davis. Davis de retour. De Rafael Nadal avec toute la rage sur ce dernier revers. Dans un premier temps, il a bien défendu. L'erreur de Nishikori, ça a été d'assez trop sur le coup droit de Nadal. Et puis tout d'un coup, dès qu'il en joue un petit coup moyen, là, il y a la rage de Nadal qui vient jouer cette balle au sommet du rebond. Regardez comme il y a eu tout le poids du corps dans la balle. Salve d'applaudissements avant de servir. Le public en veut encore, évidemment. Ouais, avec les balles neuves et l'effet. Ouais, tout à fait. 7-6, 7-5, 7-6. Tour en 3-7 de Nadal en début de saison. Il n'est pas content et il a raison. Il n'est pas menacé sur ce dernier revers. Il ne peut pas faire la faute à ce moment-là. Ouais, il fixe. Gêné dans son lancer de balle par un spectateur, Nishikori. Mmh.
Oh là là, il n'y est plus, Rafael Nadal, et la conclusion